Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour à Antigoniche. Et on va visiter une foire qu'il y a dans la ville. Je trouve que c'est une très belle façon de nous dire au revoir parce que à Antigoniche, il ne se passe pas grand-chose ordinairement. Et là, quelqu'un nous a invités. On nous a dit qu'il y a une foire en ville. Et puis aujourd'hui, vous savez, je suis joyeuse parce que le soleil brille. On profite, tout simplement. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde dans les rues et je crois que c'est à cause de la foire parce qu'en général, il n'y a personne. Et je me demande où étaient tous ces enfants. On est là depuis 3 semaines. On part demain et c'est aujourd'hui qu'on voit que dans cette ville, il existe des champs. C'est vraiment une toute petite quantité de personnes qu'on tu vois. Mais là, on rencontre pas mal de gens. Les rues sont bondées de part et d'autre. Il y a plein de personnes, donc je comprends pas, les gens ils sont à l'intérieur de chez eux toute la journée comme ça. C'est bizarre. Alors, je viens de parler à Marianne, la fille qui nous avait invité ici. Et ce qu'elle me dit, c'est que, en fait, c'est vrai qu'habituellement, il n'y a pas tous ces gens de la ville. Et elle m'explique que ce sont des visiteurs. Donc, on avait bien raison. Ce sont pas tous ces gens n'habitent pas Antigoniche. Certains viennent d'autres contis pour venir visiter la foire là maintenant. Donc, c'est une très bonne chose. Smells so good. Yeah. Oh, I love that people are like smelling it outside. I'm like, that's what we want. That's good. Room spray, comme si m'gay une chambre. And the room or body, I make them small. Oh, body also? Yeah, it's just rich hazel, distilled water, and pure essential oils. You can keep them in your purse. That's why I made them small. So you can like have it for your car, fresh in a bathroom, have it just fresh it up. Yeah. The patchouli, that's so nice. Yes, you enjoy. One? For sure. Woo! Voilà. Oui, ça mange avec Pia et non avec chalumeau. Et chalumeau, t'es vrai? Oui. Je t'avais pas dit demander un chalumeau. C'est vrai. La foire c'était bien joli, mais c'est terminé. Donc là, je suis venue visiter une bibliothèque, une public library. Donc c'est une bibliothèque publique. Voilà, c'est ça. Twilight. Oh, regardez Jeniston. Passion poivreur. C'est sceptique. Pêche-toi, je veux voir le résultat. Et là, je me souviens de mon enfance.
à Jérémy des bons moments que j'ai passés dans la bibliothèque, les deux bibliothèques, Seigneur Vincent et celle de l'Alliance française. Donc avec ma soeur, mon frère, des moments privilégiés qu'on a passés, des après-midi complètement enfermés dans la bibliothèque à lire et à rapporter des livres chez nous, à les lire, à aller les remettre. Oh mon Dieu, c'était trop cool. Et maintenant qu'on n'a plus ça, je pense aux adolescents, aux enfants d'aujourd'hui, franchement. Ce sont de très bons souvenirs. En fait, j'avais oublié ce plaisir, celui de venir à la bibliothèque. C'était quelque chose. Et aussi, il y avait des parties où je rencontre mes copines, mes petits copains, tu vois. Je suis trop heureuse. L'odeur du livre. Je suis trop heureuse. On va à la plage. Yeah! La fille, elle mange les fraises de son jardin. La vie que je mérite. Every day we pick that much. Wow. We just put them in last year too, so it's growing pretty fast. Les fraises dont on mangeait à l'intérieur, voilà. C'est là que pousser. La fille fait pousser ses fraises et en les récoltant, elle regarde la mer. Voyez? Et elle peut aller dans son petit jardin là-bas pour les manger avec son chéri. Hein? C'est quel genre de vie ça? Hein? Ça, c'est moi, c'est ma vie. Elle fait pousser ses radis. Chaque jour, il prend trop, il gagne trop de fraises, oui, tous les jours. Ouh, c'est beau. Coucou. C'est la première fois que j'ai vu un écureuil. Il est bon. Et puis, qu'un petit fraise, il a mangé. Il bat pas trop, il a mangé. Il réfléchit. Il va prendre ça, m'a vu une faire, il court, il tourne, il va voir. Oui. Le rosier. Oui, on petit douche extérieure. On petit tuyau. Vous mettez campé là et vous mettez plat. Extérieur. Oui, c'est vrai, je vais mettre là. Je pense que c'est un bel projet qui peut atterrir. Regarde les jeunes. Regarde les jeunes ensemble. Marie-Laïa ici. On est en train d'essayer. Bon, à son temps, on est en train d'essayer le couscous. Le couscous. Aucune idée. Le couscous. Tu aimes finalement. C'est bon. Et puis, il a préparé un poulet. Il m'a dit que c'est un poulet avec des oignons, des tomates. C'était tellement bon. Et puis, le persil a un goût particulier. Vraiment étrange, pas trop fort. Un peu fort, je peux dire. Un peu fort. Mais c'est bon. On se régale. People just relax in the house and I'm like, what the hell doing right now? It's hot! How did it get? But I'm like, in the skin, I'm like, c'est ça. Là, on est en train de rire de nous qui sommes là, au milieu du soleil.
Et on est en train de dire c'est pas le même soleil. But I think but the highest is sorry. No, go ahead. The 35. Yeah, the highest maybe 35. But like tomorrow or in earlier, I could understand 100%. But then other things I don't know. So maybe when you're mixing. Yeah. I don't know. Always weird. We live in an island, but we can't sit. Do you like to sit in the water? Yeah. Just floating. Yeah. Exactly. Visiting 80 in a pond. Yes. Junia a été l'une des plus belles, l'une des plus riches que j'ai passées à Antigonish. J'ai toujours eu envie de rencontrer un natif, quelqu'un de la communauté qui pourrait bien me renseigner sur les cultures, les habitudes. Eh bien, j'ai été servie. C'était une magnifique journée. J'ai envie de remercier Marianne, même si je sais qu'elle ne va pas regarder cette vidéo, mais franchement, c'était super gentil à elle de nous avoir invités à vivre cette journée, Assunta et moi. C'était une magnifique journée, comme vous avez pu le sentir dans le vlog. Cette vidéo reste pour moi un très, très beau souvenir d'une très belle journée au Canada. Sa générosité a tout changé. On a été très bien reçus chez elle, avec son mari et tout. Franchement, je vous souhaite de faire des rencontres comme ça. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour voir les jolies photos de cette journée. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à partager. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus. Ciao!